Réveil en Italie ce vendredi. On va chercher la nouvelle semi chez Gervasi avec Denis. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai pour un nouvel épisode des Recycleurs de l'Extrême, épisode 2. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour le soutien que vous avez apporté pour le premier épisode. J'ai même été contacté par RMC, donc on va voir si ça va fonctionner. Mais en tout cas, c'est sûr une bonne continuation. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en Italie, à Buriasco notamment, pour rechercher notre semi-remorque derrière moi de la marque Gervasi. Et nous sommes accueillis par les sœurs Gervasi, Stefania et Alessia. Donc aujourd'hui c'est un grand jour pour Arc-en-Ciel car c'est notre première semi-remorque de cette taille. Elle fait 80 mètres cubes et c'est le produit de la gamme Maxi Tiger. Donc nous sommes venus avec le tracteur Iveco derrière nous d'Arc-en-Ciel. Donc aujourd'hui tout est italien. Et Alessia à côté de moi va nous présenter un peu l'histoire de la société car elle vend beaucoup aussi de remorques en France et aussi en Europe. Alessia, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la société? Bonjour à tous, je suis Alessia Gervasi, elle est Stefania et nous produisons des semis pour la ferraille, pour tous les déchets, pour tous les matériaux recyclables. C'est une société familiale, elle est née il y a 40 ans avec notre père Sebastiano. Nous sommes spécialisés dans les bennes ferraille, nous avons des autres produits et comme pour exemple le Skyler, qui c'est le fond mouvant tout acier, le plus grand de sa catégorie. Et aujourd'hui nous avons justement délivré la semi à Arc-en-Ciel Recyclage. Merci à vous. Et ça c'est un Maxi Tiger, c'est 80 mètres cubes de capacité. Et la particularité de ce semi, c'est la robustesse, les doubles terrains. Ouais, alors c'est super solide. On a 6 mm de fond, si je dis pas de bêtises, 6 mm au fond et 4 mm sur le côté. Nous, ça va nous servir principalement à transporter les ferrailles de nos 4 sites vers la cisaille qui se trouve à Morpère actuellement. Et on a aussi pris le filet qui se bâche et se ouvre et se ferme automatiquement dans le cas où on veut transporter du bois, des déchets, du plâtre, du verre, etc. Vu qu'on fait un peu tous les déchets, donc on a pris ce côté aussi polyvalent. Okay. Pas mal. C'est pas mal. Hein? Okay. Stéphane, tu veux dire quelque chose? Parfait. Bisous à tous. I'm always flexing. Alors maintenant j'ai toute la famille réunie avec moi, Sebastiano, Alessia et Stefania. Et j'avais oublié de vous dire que c'était un plaisir aussi de travailler avec des entreprises familiales et notamment avec deux femmes à la tête de la société. Sebastiano, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis très content de vous avoir comme client, de vous avoir pu connaître
la personne que vous êtes, une personne excellente, vraiment compétente. Bon, merci Sébastien. Thank you.